Eh bien, bonjour à toutes et à toutes les amis. On se retrouve pour une nouvelle présentation de nos modes en compagnie de personnes parce que j'ai eu la flemme d'invoquer Apollo. Dites-moi surtout dans les commentaires si vous préférez Teddy, un cochon, enfin un nom. Je veux dire, si vous préférez un cheval ou un cochon, dites-le-moi dans les commentaires. Et dites-moi aussi le nom, aussi dans les commentaires ou sur Twitter. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, Sonomode, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Sonomode permet de... Comment dire? De... faire des sortes de roller coaster, on va dire ça. Comme si vous voulez faire un parc d'attractions ou si vous voulez en faire un, vous pouvez le faire en survie sans avoir besoin de beaucoup de ressources pour faire vos rails, vos piliers et poser les rails, le minecart et tout ça. Maintenant, grâce à cette commande, vous pouvez le faire sans beaucoup de besoin de matériaux. Et c'est un peu une petite référence à Diamond Minecart. Donc allez voir sa chaîne, elle est très bien. Je fais de la pub, oui. Et c'est une petite référence à lui. Voilà. Donc nous commençons tout de suite. Vous devez d'abord vous giver un command block. Donc je vous rappelle pas la commande. Cela je give Roy Lipton, enfin votre pseudo plutôt, Minecraft. Commande bloc, enter. Vous prenez votre bloc de commande, vous prenez un bloc de redstone, vous posez votre bloc de commande, vous entrez dedans, vous allez chercher votre commande. Attention, il y a un ordre très précis car sinon ça ne marche pas. Hop. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Vous faites enter. Vous posez votre deuxième commande bloc par-dessus en vous shiftant, donc en vous accroupissant comme ceci. Hop. Voilà, regardez bien. Et vous posez le command block par-dessus. Vous entrez dedans. Vous allez chercher votre deuxième commande. Oups. Et vous l'entrez. Ensuite, vous prenez votre bloc de redstone. Vous ne le mettez pas en haut parce que sinon ça va activer lui d'abord et pas lui. Alors que c'est lui le premier. Alors, et vous le mettez en bas, donc. Hop, et vous laissez faire la magie des command blocks. Éloignez-vous un peu. Donc, et voilà. Donc, cette commande a été réalisée par The Red Engineer. Voilà. Donc, on n'a plus besoin de ça. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, ce panneau permet de remove la structure, celui-là d'aller voir les informations sur The Red Engineer, et celle-là, il nous dit comment faire. Donc, il va falloir prendre des diamants d'innocence, un villageois, hop, vous vous mettez là, vous rencontrez votre villageois, vous lui jetez un diamant, il va se transformer en Cryurus. Et contre 9 diamants, il vous donne le Diamond Minecart. Plus 50% de rapidité, comme dit. Donc, on va pas le tuer, parce qu'il est gentil, ce villageois. Et vous prenez votre œuf, vous le faites spawner. Et vous avez ceci. Donc, qu'est-ce que ceci? C'est un minecart de diamants qui va vous permettre, eh bien, de faire du roller coaster sans beaucoup de matériaux. Donc vous entrez dedans, vous vous mettez en F5 et vous roulez. Hop. Donc en fonction de votre regard, le roller coaster va se diriger. Donc je vous conseille de ne pas aller trop loin de la commande car sinon ça risque de bugger. Je vous le dis parce que je l'ai déjà fait. Donc c'est ça le problème, c'est juste que si vous allez trop loin, ça marche pas. Mais vous pouvez faire un petit roller coaster comme ça. Hop, autour, et ensuite vous enlevez la commande parce que vous aurez plus besoin. Donc voilà, en fonction de votre regard,
Vous pouvez monter comme descendre ou comme aller à droite ou à gauche. Et je vous dis ça maintenant, vous ne pouvez pas aller dans l'eau car ça ne marche pas. Et ça détruit les blocs automatiquement. Donc on peut plonger. Hop, vous pouvez aller sous terre. Ah. Voilà, j'ai été bloqué. Et vous pouvez remonter. J'espère que je vais pas casser la commande. Ouh, là, c'était chaud. Hop, vous pouvez faire des grands tunnels. Vous pouvez faire plein de trucs. Voilà. Vous pouvez rentrer dans des grottes. Vous pouvez sortir de grottes. Faites très attention parce que c'est très risqué. Hop, vous pouvez casser. Voilà, vous pouvez casser votre machine aussi. Vous cassez les blocs automatiquement, donc vous êtes bien tranquille. Donc je vous dis bien, faites un truc bien autour de la commande, parce que sinon ça marche pas. Et pour la fin, on va plonger sous la commande pour la faire bugger. Hop, bah les amis, ce que je vais vous dire, c'est que c'est la fin de ce petit nomode Remove Structure. Et nous avons fait un beau parc d'attraction. Parce que, voilà. Donc, cette petite commande est vraiment toute petite, petite. Donc, si vous voulez faire un parc d'attraction, je vous conseille fortement cette commande. Car elle peut vous, vraiment, vraiment, vous aider lorsque vous voulez construire tout ça. Bien Valois, voilà. C'est la fin de ce petit nomode en 1.8. Oui, c'est ça, en 1.8. Toute version. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est... Bye bye.